Alors, dans un quartier en pleine mutation, on est à l'ouest du Mans, vous avez compris, on est près de l'université. Nous allons partir dans les coulisses de E4V, deux lettres, un chiffre. En fait, ça ne se prononce pas comme ça. Bonjour, monsieur Denis Gounod. Bonjour, bienvenue chez E4V. Voilà, on dit E4V à l'américaine, ça veut dire Energy for Vehicle. Alors, précisément, l'énergie, c'est l'électricité. Oui, nous sommes le partenaire batterie des constructeurs innovants. Oui, puisque ça, c'est un marché évidemment d'avenir. Et là, on a une pépite, hein, on peut le dire, en termes d'entreprise. Une pépite née il y a déjà presque une dizaine d'années. Une pépite née il y a une dizaine d'années, start-up française ou jeune entreprise innovante, voilà, qui s'est installée au Mans depuis 2009-2010. À l'origine, c'était à l'IAM, c'est-à-dire à l'Institut Automobile du Mans. Nous avons été hébergés dans l'IAM pendant que nous étions juste dans la phase prototype et démonstrateur. Oui, vous êtes même allé dans un garage à un moment. Hein. Voilà, on a eu notre garage, comme tous les garages californiens. Et puis, vous êtes installé ici un peu plus tard. Et on s'est installé ici au printemps 2011 pour monter en série. Alors, monter en série des batteries. Pour monter en série des batteries, on a aujourd'hui plus de 12 000 véhicules sur la route équipés de batteries E4V. Alors, notamment, on peut dire que certains véhicules de la Poste sont équipés de batteries. Nous avons très nombreux véhicules du postier équipés de batteries. Et puis la Bibi, dont on a déjà eu l'occasion de parler, on va découvrir comment on les fabrique. Voilà, donc bienvenue dans cette usine qui, vous verrez, est devenue exiguë compte tenu de notre croissance et également hautement confidentielle. Intéressant, merci. Ambiance studieuse dans ce premier bureau à la découverte de l'activité d'E4V. Madame, bonjour. Messieurs, bonjour. David Gastineau, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est votre fonction ici ? Commercial. Ça veut dire que c'est vous qui êtes au contact des clients pour leur proposer. Alors, leur proposer quoi ? Des solutions de batterie lithium-ion. Donc, on est vraiment sur la partie conception et développement avec nos clients pour leur véhicule électrique. Voilà. C'est ça. Ces batteries, ce ne sont pas des batteries classiques d'automobile. Non, pas tout à fait. On est vraiment sur des batteries pour alimenter les chaînes de traction des véhicules. Donc, très puissantes. Beaucoup plus puissantes et avec plus d'énergie, notamment pour l'autonomie. Voilà. Et surtout, il faut que ces batteries, elles ont cette particularité, c'est qu'elles soient totalement en sécurité. Tout à fait. La sécurité, c'est le maître d'ordre chez E4V, puisqu'on équipe, comme je le disais, des véhicules électriques, donc du transport de personnes. Alors, quel type de véhicule ? Nous sommes notamment sur le marché du micro-utilitaire avec la société Ligier qui conçoit un tricycle pour la société La Poste en France. Et nous développons également des projets avec la société Gruau, notamment l'électrification d'un Fiat Ducato, de passer de version thermique en version électrique. Carrément. Je sais que vous êtes sur des projets d'autonomie de véhicules aussi. Tout à fait. On est également sur un projet qui s'appelle EZ10, conçu également par la société Ligier via la société EasyMile. Très bien. Alors, on vous en a présenté beaucoup. Cela étant dit, il y a un véhicule ici dans la cour que je vais aller découvrir maintenant. Exactement, c'est le Colibus. Parfait. Alors, dans la cour, il est là seulement ce matin, donc il faut aller le voir. C'est le Colibus conduit exceptionnellement aujourd'hui par Romain Garnier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas le conducteur, hein, vous êtes en quelque sorte le concepteur. Quel est votre métier ici ? Alors, chef de projet. Chef de projet, ça veut dire que vous mettez en œuvre des solutions pour répondre à un besoin particulier d'un client ? Voilà, on propose et on développe des solutions spécifiques d'énergie embarquée pour des besoins particuliers d'un client. Quel était le besoin du fabricant de Colibus ? Alors, dans le cadre de Colibus, on est sur un produit véhicule utilitaire pour la livraison de produits frais, notamment en milieu urbain. En milieu urbain parce que non polluant, évidemment. Exactement. Donc, un véhicule tout électrique avec la caractéristique d'alimenter la partie traction pour la partie roulante et également la partie refroidissement pour la caisse frigorifique. Donc, il y a deux batteries. Voilà, il y a deux systèmes d'énergie embarqués, exactement. Donc j'imagine que c'est un peu volumineux. Ça peut être volumineux. Mais ça n'enlève rien aux performances de l'engin ? Non, puisqu'on a un véhicule qui est dimensionné pour son utilisation, qui permet de rouler à des vitesses jusqu'à 100 km/h avec une autonomie de tour de 120 km. Alors la particularité chez vous, je le sais, c'est que celui qui est en contact avec le client, ce n'est pas seulement le commercial, c'est vous aussi, et ceci en permanence. Oui, puisque la manière de fonctionner fait qu'on travaille en partenariat avec nos clients et qu'on intervient dans la partie design de leurs applications, de leurs véhicules. Bien. Et puis alors, après vous, c'est le développement. Je vais aller rencontrer, je crois, Loïc Flandre qui va nous en parler. Merci. Exactement.
Alors pénétrons dans l'atelier, dans une zone sensible, vous l'avez vu, hein, zone de prototype, et à la rencontre du directeur des développements, Loïc Flandre, bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, ici, en fait, on est dans la zone de test prototype, donc on va tester les premières batteries avant de les livrer au client. Alors ces batteries qui ont été conçues spécifiquement pour le client ou sont des adaptations plutôt? Alors en général, c'est une grosse partie d'adaptation de choses soit déjà existantes, soit développées en amont par le centre de Bordeaux. Alors précisément, qu'est-ce qu'on doit adapter? Les cellules qu'on voit bleues là sont toutes les mêmes? Alors les cellules sont toutes les mêmes, effectivement. On va plutôt adapter l'électronique embarquée pour répondre à des demandes spécifiques du client. Par contre, le développement de l'électronique embarquée ne se fait pas ici? Non, il est fait à Bordeaux. Très bien. Quelles sont les autres composantes de la batterie? On va y trouver principalement des composants électromécaniques comme un relais de puissance, par exemple, qui va permettre de connecter la batterie ou de la déconnecter pour fournir la puissance au véhicule. Alors vous avez confié ces tests à des gens plutôt jeunes. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Nathan. Et vous? Jonathan. Très bien, ah bah c'est presque la même chose. En l'occurrence, Nathan, vous êtes là depuis combien de temps? Alors moi, j'ai commencé au mois de septembre dans la zone de développement. Mais vous êtes là depuis plus longtemps, non? Ah oui, ça fait 3 ans que je suis là. Et alors, c'est quoi votre formation de base? Alors moi, je suis diplômé d'un bac pro électrotechnicien. Très bien. Comment ça se passe? On vous envoie les consignes, je crois, par informatique. Hein. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. On reçoit les consignes de nos supérieurs et tout en fonction des différents tests qu'il y a effectués sur les packs batteries ou sur les solutions. Et puis bah, après, c'est nous qui nous organisons pour faire les tests dans la journée. Quoi. Ah oui, on vous donne beaucoup d'autonomie et de responsabilité alors. Ouais, c'est assez... Ça pèse pas trop sur les épaules? Non, ça va. Bah, après, on a des cadres qui sont là aussi pour nous aider et puis... quand on suit les règles, tout se passe bien. Très bien, merci pour cette présentation. On va voir maintenant concrètement comment on fabrique. Ah, j'allais vers Vincent Lemonnier, directeur du site, pour voir la production, mais je me suis rendu compte qu'il y avait une zone recherche et développement, et ça m'intéresse évidemment. D'autant plus qu'on m'a dit qui était le docteur Marie-Pierre Bichat. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur, en quel domaine? En électrochimie. Ouais, évidemment, j'aurais dû m'en douter, parce que la batterie, c'est composé de cellules, et des cellules, bah, c'est de la chimie. Eh oui, tout à fait. Donc voilà, on a ici un exemple de cellules avec deux électrodes, donc une électrode positive, une électrode négative, qui sont faites à l'intérieur avec deux matériaux différents. Qu'est-ce qu'on trouve dans celle-là, par exemple? Alors, dans le matériau d'électrode positive, on trouve du lithium ferphosphate, qui est la technologie qui a été choisie pour sa sécurité. Oui, ça c'est évidemment important. Et de l'autre côté? C'est du graphite. Comme donc, partout? Comme la majorité des batteries au lithium. Bon, ça c'est la batterie classique telle qu'elle arrive. Ça c'est celle que vous êtes en train de tester? Oui, tout à fait. Donc ça c'est une cellule qui est équipée de manière à pouvoir tester son comportement en représentant le pack. Donc elle est dans des conditions spécifiques et elle est instrumentée pour être testée. Ça veut dire qu'on y a branché plein de petites électrodes pour que derrière on puisse mesurer les performances. C'est ça. Bon, puis c'est joli en plus, hein. Esthétiquement c'est vrai que ça a une certaine allure. Bon, alors les tests vont vachement plus loin. J'ai appris qu'on était capable de reproduire des trajets routiers. C'est exact, donc il suffit simplement de prendre un véhicule, d'aller faire un roulage en ville, en campagne, n'importe, et on peut ensuite en extraire les données et reproduire sur les différents équipements de test qu'on a dans la zone. C'est ce qu'on fait ici, là, sur l'ordinateur et les grosses machines. Voilà. Bon. On peut aussi les tester dans des conditions climatiques particulières, enfin quand je dis climatiques, de température particulière. Bien sûr, donc là on a une enceinte climatique qui nous permet de les tester à chaud et à froid et de regarder leur comportement. Donc on s'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui concerne la durée de vie des cellules, ce qui est un point majeur. Et ça s'améliore? Ah ben on y travaille. Bon, pour terminer justement, si on parle un petit peu de l'avenir, alors là on a une batterie bleue, là on en a une verte, quelle est la différence? C'est celle du futur ça? C'est ça, c'est exactement. Donc les matériaux ne vont pas être foncièrement différents, mais par contre tout a été amélioré et optimisé de manière à ce que dans un volume relativement proche, on puisse quasiment doubler l'autonomie de cette batterie. Bon, ça c'est intéressant, le volume et le prix? Alors là, pour ça, je laisse les hautes sphères. Bon d'accord, bah, notamment les commerciaux. Merci Madame Bichat. Allons-y, on va découvrir maintenant comment on les fabrique ces batteries.
J'ai trouvé le lieu et l'homme de la situation. Le lieu, c'est la réception. L'homme de la situation, c'est Vincent Lemonnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du site. Alors là, c'est la réception. Qu'est-ce qui se passe ici? La réception et le stockage des matières premières avant d'être assemblées dans l'atelier de production. Voilà. Les matières premières qui sont nombreuses, très nombreuses. Même. Oui, très nombreuses, très nombreuses. Bon, on est légèrement sur stock en ce moment, mais on a de grosses productions à faire d'ici la fin de l'année. Bon, on comprend. Des matières premières qui viennent de partout dans le monde? Oui, de partout. Donc, un petit peu de Chine, mais beaucoup en France et également en Europe. Et même en Sarthe, hein, ah oui, la carte électronique, la BMS, est fabriquée chez Visteron à la Ferté-Bernard. Ben voilà qui est intéressant. Premier poste, c'est un poste de contrôle. Hein. Manuela Dupaillon, effectivement, qui est en charge du contrôle qualité entrante. Alors, bonjour Manuela. On vous dérange quelques secondes. Alors, ça consiste en quoi votre travail? Je suis contrôleuse à la réception. Je contrôle les pièces mécaniques, les faisceaux et les BMS. Alors, de quelle manière? Donc, j'ai dans le ERP des plans et en fait, je contrôle par rapport au plan la conformité des pièces. Donc, ça, c'est sur l'ordinateur qui est ici. Et sans votre validation, ça passe pas de l'autre côté alors? Non, du tout. Ah oui, vous êtes une personne importante de l'entreprise. Depuis longtemps d'ailleurs? Depuis 2 ans et demi. Eh bien, félicitations. Allez, on continue. Vincent, on passe dans l'atelier. Allons-y. Il est lumineux cet atelier de production, puis il est vaste, non? Oui, 800 mètres carrés. Bon, ça suffit pour l'instant? Ça suffit pour l'instant, mais bon, un petit peu à l'étroit quand même. Première étape après le contrôle, c'est qui? Un nouveau contrôle, Alan Cosnio, le chef d'atelier. Va vous... Ah, très bien. Bon, bonjour Alan. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Donc là, je réalisais un contrôle visuel de la colonne et des cellules, l'aspect visuel des cellules. Ça, ce sont les cellules qui constituent les batteries? C'est ça, chaque élément a fait 3 volts. Une moyenne de 3 volts 2 à peu près. D'accord, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 fois 3 volts, ça fait ce qu'il faut. Voilà, c'est ça. 48 peut-être, je ne sais pas, en faisant un calcul alors, rapide. Parce que c'est un peu plus compliqué en fait. Bon, et qu'est-ce que... Bon, d'accord. Parce qu'après, il y a la mise en série en parallèle des cellules. Très bien. Alors, contrôle visuel, mais pas seulement. Pas seulement, non. On a aussi un contrôle électrique, donc où on mesure en fait chaque tension de chaque cellule. On va regarder aussi l'orientation des cellules pour ne pas réaliser de court-circuit sur ligne, justement, pour la sécurité. Et on va vérifier aussi le taux d'autodécharge des cellules. Donc ça, c'est un poste. Un autre poste en face beaucoup plus important, de quoi s'agit-il? Voilà, un autre pôle, donc le pôle sous-ensemble, où là, on va réaliser les sous-ensembles qui vont rentrer dans le pack batterie sur ligne. C'est quoi un sous-ensemble? Donc alors, un sous-ensemble, ça peut être par exemple comme un support électroméca où on va incorporer un relais, un chinte, un fusible pour la protection aussi de la batterie, des faisceaux de manière à communiquer avec la batterie. Ça, on ne peut pas les mettre sur la ligne directement? Non, ce serait trop fastidieux et on n'aurait pas les cadences nécessaires derrière la fabrication des packs batteries. Vous imaginez qu'il y avait autant de choses à mettre autour d'une batterie? C'est incroyable ça. Bon, merci Alan. Vincent, on va plus loin. Bon, alors moi j'aimerais savoir combien ça fait de volts au bout du coup. Chaque pack est différent, mais entre 12 et 250 volts. D'accord. Bon, bah, on n'aura pas une réponse précise. Peu importe. Là, on arrive à la ligne. La ligne de finition, d'assemblage finition, oui. Avec Gérard, le team leader. Bonjour Gérard, pardon, excusez-moi de vous déranger. Oui, pas de soucis, merci. Dites-moi, je vois qu'il y a des batteries qui ont des couleurs différentes, pourquoi? Parce qu'il y a des capacités différentes. Ah bon? Et précisément? Nous avons la bleue qui font 50 ampères et la verte qui fait 80. Je comprends. Gérard, je crois savoir que vous êtes le premier employé ici à la production en 2011. Donc vous savez tout, quoi. L'ouverture de la société. Vous avez vu l'évolution de la société? Exactement, oui. Bon, sacrée belle machine, en tout cas, hein, sacré rouage. Oui. Expliquez-nous comment ça se passe. Alors, il y a 3 étapes, je crois, pour la fabrication. Il y a identique et 3 postes. Ouais. Sur chaque poste, nous avons des gammes de production. Nous avons Jérémy et David au poste 1, ouais, où ils assemblent les cellules entre elles à l'aide de feuillards et de tresses. Plus des mesures de tension qu'on rajoute sur les cellules. Et là, Jérémy est en train d'attacher les cellules sur le fond de la batterie. Sur le fond de batterie, c'est ça. Et des petites sondes de température aussi. Carrément. Oui. Ah oui, c'est très sophistiqué. Et je crois que vous me disiez que ça, c'était chauffant éventuellement. Alors, le fond, on rajoute une partie chauffante sur le fond pour l'hiver. D'accord, évidemment. C'est vrai que les batteries n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas trop ça, pas du tout. Bon, deuxième poste. Deuxième poste, vous avez Frédéric et Alexis. Ouais. Ils font pareil, identique, la même chose. Eux, ils rassemblent les colonnes entre elles à l'aide aussi de tresses et de feuillards. Alors selon le type de batterie, c'est pas tout à fait les mêmes techniques? Non, c'est pas les mêmes. Non. Nous avons là des feuillards et sur d'autres packs, on aura des tresses qui sont un système différent. Et là, il fait de la colle. Et là, il fait de la colle. Ouais. Voilà. Très bien. Je vois qu'ils ont leurs instructions exclusivement par écran. Oui, par écran, tactile. Comme ça, il n'y a pas besoin de manipuler plus de choses que. Et puis pratique. Oui, puis on peut corriger au fur et à mesure. Ah, flûte! On arrive à la fin du process. C'est ça, exactement. Poste 3. Avec Valérie et Anthony. Ouais. Eux, ils font la finition et la mise en place du test fin de batterie, quoi. Alors, ils arrivent en même temps à fermer le live, ben, pour une fois, pile poil. Bon. Le test a été fait avant qu'ils l'aient fermé ou pas? Non, après.
Ah d'accord. Donc ils n'ont pas encore eu l'occasion de tester. Non. Parfait. Merci pour toutes ces explications. Merci. Bon courage pour la suite. Et nous, on va encore trouver une étape de contrôle. On y va. Allez, dernière étape à l'intérieur de l'atelier. De quoi s'agit-il? C'est une étape de contrôle que va vous présenter Xavier Frogier, le responsable industriel. Bonjour Xavier. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous faites ici? Alors là, on est dans la zone de cyclage. On va venir charger la batterie, la décharger et la recharger à 100%. Donc ça s'appelle le cyclage. Le cyclage, oui. C'est une drôle d'idée, ça, de charger et décharger. Oui, ça nous permet de valider complètement la batterie et de vérifier sa capacité. Oui, être certain qu'elle correspond aux performances qu'on avait données au départ. Aux caractéristiques souhaitées par le client. Bon, comment ça se passe? Première étape, donc c'est ici, là? Alors ici, on vient connecter les packs batteries directement à un chargeur et un ordinateur. Et l'ordinateur, avec la carte électronique de la batterie, va contrôler la charge et charger la batterie à 100%. Bon, il y en a une qui est bonne. Oui, celle-ci, elle est prête. On va pouvoir aller à la décharge avec cette batterie-là. Alors justement, la décharge est juste à côté. Comment on fait pour décharger? On décharge à travers un système de résistance qui va nous permettre de tirer le courant de la batterie, l'équivalent d'un moteur d'une voiture. Et de la même manière, il y a des ordinateurs pour contrôler? Oui, pour contrôler. Et on en profite pour effectuer des tests pendant la décharge. Et puis enfin, la recharge à la fin? Et la recharge à la fin, à 50%, qui met deux fois moins de temps. 50% parce que ça permet de stocker plus longtemps? Voilà, chez nos clients, oui. Très bien, merci. C'est, je crois, une étape essentielle. Merci, Xavier. Nous, on va terminer par autre chose d'aussi essentiel, c'est plus global, c'est la qualité. La qualité avec Franck Adix. Ok, on y va. Nous voici dans la zone des tableaux. Alors, je vois qu'on est plutôt vert du côté de la production. Ça, c'est une bonne nouvelle. Du côté de la qualité, ben, on est sur des chiffres. Je ne sais pas, vous allez nous dire, Franck, qui sont positifs ou pas. Franck, vous êtes le responsable, le directeur de la qualité, même ici. Tout à fait. Bonjour. Alors, c'est quoi la qualité? Alors, la qualité, ça réside à satisfaire aux exigences des clients. Répondre à leur cahier des charges d'une manière la plus précise possible. Exactement. Donc, ça passe par la traçabilité. Donc, c'est un dispositif qu'on a mis en place tout au long du processus de fabrication que vous avez pu voir. Ça commence par Manuela qui nous a accueillis tout à l'heure. Exactement, au contrôle d'entrée, Manuela opère déjà un premier contrôle. Et tout au long du processus de fabrication, on a des sauvegardes de données qui nous permettent de, à n'importe quel moment, à la demande du client, de ressortir tout l'historique de notre batterie. Et puis même de le sortir 5 ans, j'allais dire, après qu'il soit parti d'ici. Exactement, la fin de vie produit est importante. Bon, alors ça c'est la traçabilité. Il y a un autre élément qui est important dans votre domaine, c'est le respect des normes, et les normes elles n'arrêtent pas d'évoluer. Exactement, on est à la fois sur des matières vivantes et aussi des matières considérées comme dangereuses. On fait partie de cette catégorie-là. Et à cet effet, il y a de nombreuses normes et d'exigences qui n'arrêtent pas d'évoluer, que ce soit tant pour les autorisations de transport auxquelles on est assujetti, tant sur la partie homologation, où là, il y a, en fonction des applications et des véhicules concernés, des spécificités à satisfaire. Bon, pour terminer, juste deux mots, combien de temps vous garantissez vos batteries? À l'heure actuelle, la majorité de nos clients ont garanti entre 5 et 7 ans. Parfait. Merci de nous avoir présenté cette notion qualité. Merci Vincent de nous avoir fait visiter l'ensemble du site de production. On va aller maintenant voir comment tout ça s'administre dans les bureaux. Merci à vous. Dans le bureau RH et comptable, on découvre une photo, celle de l'équipe il y a un an, une équipe qui continue à évoluer. Et c'est la responsable justement qu'on va rencontrer maintenant, Caroline Prune, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce bureau. Je vous laisse présenter d'ailleurs vos collaboratrices. Alors en ce qui concerne l'équipe, donc ici on a Marion et Émilie qui s'occupent principalement de la partie comptabilité. Et puis Marie qui s'occupe de la partie RH. L'équipe qui évolue, ça veut dire une société qui est en fort développement. Oui, tout à fait. En fait, on a un chiffre d'affaires qui a été multiplié par 3 entre 2014 et 2016 et qui confirme son accroissement sur 2017. Et alors que ne dit-on pas de 2018 et 2019, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes organisé? Alors sur le site, donc il y a à peu près 80 personnes, dont une quarantaine de personnes en production qui travaillent en 2-8. Et ouais. Le reste des personnes qui sont en horaire de journée. Et puis plus ceux de Bordeaux qu'on découvrira tout à l'heure pour terminer. Juste un chiffre comme ça, justement à propos de production. Alors si je vous dis 10 000 batteries sur 2017. Je dis que c'est impressionnant. C'est impressionnant. 10 000 Power by E4V, je crois que c'est comme ça que l'on dit. Ça. Merci de nous avoir accueillis. Merci. On va à côté. Alors comment on poursuit ce fulgurant développement? C'est ce qu'on va découvrir avec Nicolas Ringot. Bonjour.
Bonjour. Vous êtes le directeur technique et c'est vous qui êtes en charge des nouveaux marchés d'une certaine manière. Mais pour se développer, il faut avoir des produits un peu particuliers. Quelles sont les caractéristiques qui font la différence avec les autres? On a des solutions sûres et durables. Donc sûres, ça veut dire des solutions qui ne vont pas s'inflammer, qui ne vont pas exploser. Durable dans le sens où la perte de capacité au fil des années est très faible, contrairement à ce qu'on a pu voir sur les téléphones mobiles il y a quelques années. Alors ce qui veut dire aussi que ce sont des solutions qui respectent un peu mieux l'environnement ? Oui, effectivement, elles ne contiennent pas de métaux lourds, tels du nickel, du cadmium, et elles sont facilement recyclables. Bon, tout ça fait que vous pouvez répondre à des questionnements, à des besoins d'un certain nombre d'industriels dans beaucoup de domaines. Vous êtes en train de chercher des nouveaux segments. Je crois que vous travaillez sur les bateaux. Oui, donc on a déjà attaqué en effet les bateaux électriques d'une part et également des enjambeurs de vignes. Donc c'est des tracteurs électriques réellement en tout électrique où l'aspect propreté et nuisances sonores sont très appréciés pour les bateaux électriques. Bon, je sais que vous répondez aussi à des demandes qui ne sont pas dans le domaine des véhicules électriques, mais des solutions. J'ai vu un camion-citerne, pourquoi vous êtes concerné par ça ? L'énergie embarquée est très intéressante. Ça peut permettre sur un gros camion thermique, qui lui reste thermique, l'utilisateur peut éteindre le moteur et on est capable de réaliser une opération dans le silence. Donc c'est-à-dire un pompage, par exemple, qui peut se réaliser en silence total. Effectivement, c'est pas mal. Quelles sont les autres pistes de développement ? Alors, des secteurs dans lesquels des clients utilisent déjà des batteries, mais d'anciennes technologies, c'est le cas des chariots élévateurs avec des batteries plomb, et c'est le cas également du ferroviaire et du nickel-cadmium, où on va être capable de le faire passer en lithium et d'utiliser les avantages du lithium. Je crois que vous avez également dans les cartons quelques projets concurrents de Tesla, entre autres, de stockage d'électricité domestique, par exemple. Voilà, le stockage est très facilité en effet avec le lithium. Ça permet d'avoir un stockage par exemple résidentiel. On peut stocker l'énergie des panneaux solaires le jour et le restituer la nuit d'une part. Mais ça peut également permettre de recharger lentement une batterie et une batterie elle qui est capable de recharger très rapidement une voiture électrique qui va demander une charge rapide. Et ça dimensionne, ça laisse davantage, ça limite les contraintes au niveau du réseau électrique. Nicolas Ringo, c'est déjà demain, c'est quand même pas mal. Nous, on va faire un bond de 300 km au fond du couloir. Pour développer tous ces jolis produits, l'informatique est essentielle ne serait-ce que pour être en relation avec le centre de recherche d'I4V. Il est très loin et voici Lilian et Olivier, bonjour. Bonjour. Magie de l'électronique et des réseaux, vous êtes où ? Alors, on est situé à 10 km au sud de Bordeaux, à Aigues-Mortes-les-Graves, plus précisément. Aigues-Mortes-les-Graves, ça veut dire au milieu du vignoble, alors ? C'est ça. On fait partie du domaine des Graves. C'est plutôt un lieu sympathique pour travailler. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans ce centre de recherche ? Il y a deux départements, je crois. Oui, il y a deux départements, donc une partie applicatif, donc développement logiciel, et une partie pour pour l'électronique embarquée. Donc moi, je m'occupe précisément en fait du système d'information de la société en relation étroite avec le centre du Mans et le développement d'applications à destination des clients et internes pour développer nos produits. Et puis par ailleurs, à distance, vous pilotez en quelque sorte le site du Mans ? Oui, tout à fait. On récolte des données essentielles en fait pour la fabrication de correction des batteries. Alors Olivier, vous vous occupez du développement de l'informatique, on appelle ça le software, c'est ça ? Effectivement, nous avons ici à Bordeaux des équipes en charge des développements logiciels des cartes électroniques associées aux batteries, ainsi que des développeurs en électronique pour réaliser ces cartes. Alors, je crois que c'est un enjeu essentiel dans la bataille qui fait rage autour de la batterie pour véhicules électriques. Tout à fait, les nouvelles technologies au lithium d'avoir un complément d'une carte électronique en charge de la sécurité du système, principalement. Et le CAPDR fait le parti de faire ses propres développements sur ce type de produit. Alors, si vous êtes à Bordeaux, je crois que c'est parce que à l'origine, vous aviez un partenariat avec un laboratoire de la région ? Donc, la naissance, effectivement, de la société a eu lieu en région bordelaise et la proximité de l'IMS était effectivement ce qui a permis à cette société d'éclore aujourd'hui. Bon, on va vous laisser seul, loin de nous. Quel temps fait-il là-bas, à Bordeaux ? Désolé, il fait relativement gris aujourd'hui. On ne vous amènera pas de soleil. Bon, c'est nous qui vous l'envoyons, alors. Bonne journée à vous.
On ne termine pas une émission sans parler ressources humaines, bien évidemment, surtout dans une société en développement comme celle-ci. Eh ben, c'est avec Chloé Rafik que nous allons le faire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avec Vincent Lemonnier. Qu'est-ce que vous faisiez d'ailleurs ? On visitait des locaux d'appoint, en fait. Ah oui, parce qu'il y a tellement de recrutement que vous n'avez plus assez de place. Voilà, donc on a dû trouver une solution temporaire. Bon, on a vu effectivement combien de personnes ont embauché l'année dernière ? Alors, on a 30 personnes sur le site du Mans CDI, ouais. En 2016-2017 pour l'instant. Et combien à venir ? Alors là, beaucoup. Beaucoup, a priori. Au moins ça, j'espère, en 2018. Dans quel domaine ? Alors, des domaines variés, beaucoup de compétences quand même techniques. On a 40% de cadres dans la société. On a beaucoup d'employés, de techniciens très qualifiés. Alors, en dehors des compétences techniques, quelles qualités vous souhaitez de leur part ? Alors, ce qui est très important pour nous, effectivement, c'est l'adhésion à la culture de la société. C'est-à-dire ? Des gens qui s'intègrent facilement dans l'équipe, qui est un petit peu une famille aussi, et qui sont capables de passer d'un sujet à l'autre. Genre agile. Agile, pas avec une bonne ouverture d'esprit. Il y a qui vous donner une certaine autonomie. On l'a d'ailleurs découvert à travers certains témoignages. Je crois que, je ne sais pas si j'en ai rencontré, il y a des alternants, je crois, chez vous aussi. Oui, tout à fait. Il y en a 3 en ce moment. Puis c'est des ressources qu'on apprécie. À quel niveau de diplôme ? C'est des bac plus 4 ou bac plus 5 en général. Bon, très bien. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Dernière chose, des petites fêtes de temps en temps entre personnel. Officieuse un peu, officielle aussi de temps en temps. Du sport aussi, je crois. Du sport le midi. La cuisine, j'ai vu, était très conviviale. Hein. Voilà, et puis des petits concours de cuisine aussi entre salariés. Ah bon. Voilà, des séminaires. On essaye un petit peu, effectivement, d'avoir des moments de cohésion en dehors du boulot. C'est important parce qu'on travaille beaucoup. Voilà. Ah oui, bah évidemment, dans les startups, c'est comme ça. Merci Chloé. On va terminer avec le président qu'on va retrouver quelque part. Il n'a pas de bureau ici, donc je ne sais pas où. À la recherche du président, on m'a dit qu'il était quelque part. C'est pratique, les transparences. On voit tout de suite où il est. Ben, voilà, justement, il est en train de travailler. Merci Monsieur Gounod de nous avoir reçus. Oui, j'espère que vous avez fait une bonne visite. Écoutez, les gens étaient très sympas. En principe, c'est une équipe de choc très dynamique. Bon, alors, il faut dire qu'elles sont dans une filière particulièrement en développement. Nous sommes effectivement au cœur de la croissance, en pleine expansion. L'électrique aujourd'hui est réelle et l'électrique dans la ville, c'est vraiment une réalité. Et Ifortvie est parmi les leaders en Europe ? Nous sommes, je pense, un acteur clé de la filière française et qui elle-même est leader en Europe. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Bon, je crois que vous aimez dire que vous êtes partenaire en innovation. Ça veut dire quoi ? Partenaire, ça veut dire qu'on est vraiment, on conseille nos clients au point de vue technologique, au point de vue marketing, au point de vue économique. Et vous croissez en même temps qu'eux ? Et on croit en même temps qu'eux, ajoutant chaque année de nouveaux produits, de nouveaux segments. Et pour ça, vous êtes récompensé, j'allais dire régulièrement, au moins les 2 dernières années, hein, je crois. On a eu effectivement le prix de la stratégie disruptive il y a un an sur le Grand Ouest. Et cette année, nous avons eu le prix de la PME de croissance, CleanTech. Bon. Continuez à vous développer, prenez un peu de place pour vous installer. Là, on a des Algeco qui sont sur la pelouse maintenant. J'espère que vous n'avez pas visité les Algeco. On doit effectivement, on est très exigu, on a encore embauché 4 personnes la semaine dernière et on doit annoncer prochainement notre déménagement, vraisemblablement au Mans. Ce serait une bonne nouvelle en tout cas. Merci encore une fois de votre accueil. C'est ainsi que se termine ces coulisses d'Ifortvie. On se retrouve bientôt pour d'autres coulisses ailleurs en Sarthe.